C'est l'heure maintenant pour moi, pour ceux qui veulent gagner des millions spécial Cid Action, d'accueillir Christophe de Chavannes et François Berléand. Vous connaissez Chavannes, c'est Berléand. C'est un individu, j'ai été forcé par ma famille. C'est une première pour vous, donc qui veut gagner des millions. Oui. Ah ben, je joue sur Internet. Vous jouez sur Internet, oui. Pardon, c'est ma main. C'est simplement à la hauteur du dos. C'est bizarre, quand même. C'est amical. Oui, vous avez déjà joué, vous avez gagné beaucoup d'argent, hein, qui veut gagner des millions. Pas beaucoup, mais on était assez contents, vu les questions à la con sur lesquelles nous avons chuté. Nous avons chuté sur... Avec M. Carmouze. Avec M. Carmouze. Nous avions chuté... Non, avec Clémentine Sélarié. Nous avions chuté sur une question... qui ne me revient pas. Très bien. C'est-à-dire que c'est intéressante. Ouais. Bon, non, c'était une question à la con, genre, comme Yves Régnier, genre, où est mort, machin, le pauvre, où il est mort. Oui, mais paix à son âme, en tout cas. Allez-y, allez. Allez. Ça va. J'ai une grande confiance dans mon camarade François Berléand, qui est un homme de culture. Oui, mais il faut toujours un sur les deux qui ait de la culture. Mmh. Ou pas. T'as vu, je dis rien. Ça ne marche pas, moi, ça ne marche pas. Je ne dis rien pour l'instant. Et j'ai encore les jambes qui pendent, c'est très chiant, aussi. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais non, mais tu me mets là. Je ne peux pas, moi. Ah, pardon. Vous n'avez pas le vertige, non? Ça va? Il est marrant, le gros. Merci. Allez, on y va. Allez, concentration. Oui. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est le printemps. Non, on sent d'ailleurs, il fait bon. Bah oui, c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr, c'est ça, cette chaleur. Oui. Voici donc la pyramide des gains. C'est pas ça, je suis un peu énervé. 1500, 48 000, 1 million d'euros. 1 million, allons-y, pour 1 million. Allez, on va commencer à 1 million. Allez, la question 1 million. 3 jokers, 50-50 coups de fil. Mais ça fait 29 ans que votre émission existe. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous expliquez les choses? Expliquez-moi, Jean. Mais c'est pour vous. Ok. Oui, mais nous, on suit avec François. Voici Christophe de Chavannes, mais surtout François Berléand. Surtout. Nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Dans l'émission télé des années 60, qui est inséparable de Nicolas? Cécilia? Oui. Bécassine? Wonder Woman? C'est Wonder Woman. Pimprenel. C'est là. Question D. Réponse alors D. Réponse D, pardon. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça. Oui. Je vais expliquer. Oui, c'est le problème. Voilà. Oui. Vous pouvez aller doucement. Mais ça va aller vite, oui. À chaque fois, il va dire question D. Et vous me dites donc. Pimprenel. Pimprenel, excellente réponse. Nicolas et Pimprenel. On a gagné un million. Non, c'est pas on a gagné. C'est pour le Cid Action. Je rappelle d'ailleurs à ce propos qu'il y a un numéro qui est le 110. Le 110, oui. Pour faire ses promesses. Mais ce qui est très, très bien, c'est de faire une promesse. Et ce qui est encore mieux, bien évidemment, c'est de respecter la promesse. Voilà, merci de me laisser finir cette phrase-là, qui est la principale, parce que malheureusement, beaucoup de gens font des promesses, on en sait quelque chose dans ce métier, et ne les tiennent pas. Donc faites vos promesses et tenez-la, parce que franchement... Mais quand vous dites on en sait quelque chose dans ce métier, vous avez un exemple? J'ai entendu un chercheur l'autre jour dire, on mourra, c'était un mec qui avait 43 ans, 44 ans, un chercheur scientifique de renom, qui s'appelle Lévy, et qui disait, on mourra et ça ne sera pas fini. Nous, les chercheurs. Donc, ce qui est de très mauvais augure pour la longévité de cette saloperie de maladie. Donc, il faut vraiment donner un maximum d'argent. Il faut que nous soyons les meilleurs et que les gens donnent de l'argent pour continuer à pouvoir aider la recherche. Et je rappelle que Cid Action, c'est 50% la recherche, 50% l'aide aux malades. Tout à fait. Voilà. Et depuis le début, d'ailleurs, vous êtes impliqué dans cette cause. On le sait dans toutes les émissions. Ça fait 20 piges que je dis sortez couvert, qu'il faut mettre une capote, car aujourd'hui, c'est le seul vaccin, évidemment, qui existe. Mais encore faut-il avoir des rapports sexuels. Non, c'est à vous que je parlais. Oui, pardon, j'étais sûr. C'est pas à moi. Non. Deuxième question. Que ne doit-on pas manger après l'avoir fumé? Ah, alors ça, c'est toi qui... Ça, c'est très con de me regarder en faisant un saumon, une truite, un jambon... Un mégot, peut-être. Une pipe. Une pipe. Allez, vas-y. Non. Toutes les semaines, vous dites ça. C'est toujours la D, alors. Alors, vous me dites... Une pipe. La D. Une pipe. Excellente réponse. C'est pas un mot. Attendez, il y a que vous qui pensez à quelque part. Même si c'est une petite pipe. Troisième question. Même si c'est une petite pipe, c'est pas un gros mot. Selon l'expression, une personne d'une ambition... Tiens, on parle de vous. Démesurée. Oh, t'es lourd, arrêtez maintenant. Hein. Non, mais ça va. Enfin, on vient pour jouer. C'est vrai, j'avais oublié. C'est réponse D. Tu vois, c'est pas la A, en tout cas. C'est pas impossible. Selon l'expression, une expression de l'émission de mesurer, à la grande vadrouille, à la zizanie, à la folie des grandeurs, c'est ça. À la soupe au chou.
Ah, nous allons réfléchir avec François, mais nous allons probablement... Vas-y, dis-le, c'est pour toi, là. Non, non, c'est pour nous. Ah non, c'est pas... Non, je forme un groupe. Oui. Ouais, un groupe de deux, on peut faire. Quoi ? C'est... C'est-à-dire, donnez-moi la réponse. Et la folie des grandeurs, une ambition démesurée, il a la folie des grandeurs. Évidemment, la folie des grandeurs, bonne réponse, Christophe, c'est François. Monseigneur, c'est là, il est là. Il est là, monseigneur. Ou la grande vadrouille. On dit, oh, dis donc, ce type-là, il répond un peu la grande vadrouille. Ouais. On l'a dit aussi, ça. Mmh, dit... Question. Pardon. L'homme moderne est un homo... Oh non, non. Non, non. Un sapion, sapion. Un homo sapiens sapiens. Ouais. Les auteurs n'ont toujours pas été lourdés. Donc, un homo sapiens sapiens. Et pourquoi de... ah, oui, un homo sapiens sapiens. Mais ça mord, ça mord. Un homo sacoins, sacoins. Vous n'avez pas un ça mord, ça mord. Ça mord, ça mord. Nous n'avons pas un homo ça mord, ça mord. Non. Moi, je dirais bien ah, oui, je dirais bien B aussi. Comme Yves, dans ce qui n'a rien à voir. B, réponse B. Réponse B, comme Yves. Excellente réponse et grande culture. Bravo. Bravo. Ça ne me surprend pas. Voici la question qui vaut 1500 euros. Oups. Que c'est du... un palier, c'est un palier. Bien. Bah, dites-le. Non, non. Vous allez atteindre le palier si vous répondez à la question. Il tire. Il tire. Vous parlez de qui ? Lucky Luke. Vous parlez de qui ? Ah, regardez, pardon. J'ai pas encore dit la tout question. Tout ce qui est pip, tire, tout, c'est lui. OK. D'accord, ouais. OK. Que fait Lucky Luke plus vite que son ombre ? Il tire. Ah. Ah. Ouais, j'ai dit avant. Il court. Non. Ah. Il saute. Non, ah, non, bah, non, non, non. Il mange. Non, non. Il mais ça, c'est pareil. Il tire, il saute. Oui, c'est pareil. Alors, oui. Qu'est-ce que réponse ça... A et C. C'est notre dernier mot. Non, alors laquelle ? Ah, c'est votre dernier mot ? Il tire plus que son nom. Oh, premier palier. Excellent. Oui, ça va. Oui. Arrête. Eh bien, bravo. Bravo, car maintenant, vous avez déjà 1500 euros. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre poche sans arrêt ? Rien, j'ai un stylo qui me fait mal au sein. Il est de l'autre côté. Pas... Oui, mais j'ai pas de poche. Tiens, donnez-moi votre stylo. Non, parce que j'ai le pot, mais si je vous le donne. Bon, j'y tiens beaucoup. Ça y est, il est rangé. D'accord. Question 6 à 3 000 euros. Ah, bah, c'est le verbe... Ah, attention. Le verbe moudre à la première personne du singulier du passé simple. Alors, c'est pour le café, par exemple. Par exemple. Moi, vous savez, je suis un homme extrêmement galant. Et tous les dimanches matins, j'apportais le café au lit à ma femme. Il lui restait plus qu'à le moudre. Voilà. La connaissance aussi. T'as qu'à me niquer mes suites. Tac. Salaud. Le verbe moudre, conjugué à la première personne du singulier du passé simple, donne... Je moudais. Je moulus. Je moudu. Genou. Ou je moulais. Ah. C'est pas drôle. C'est la... Non, non, déconne pas, déconne pas. Je moulu. À la première personne du singulier du passé simple. Ah, c'est-à-dire oui, je. C'est, c'est jeu. Oui, c'est jeu. Je. Là, on est jeu. Mou, c'est bon. Le passé simple. Mou, passé simple. Mou c'est bon. Déjà, je mou, c'est bon. Je moulu. Je moudais. Je... Ça ne veut rien dire. Non. Je moulais, c'est je moulais. Je moulais. J'en moulais. Du verbe. J'en non. Moulais. Non, non, non. Du verbe. Non, on l'a dit, non. Du verbe mouler, donc oui. Je moulu, oui. Bien sûr. Bah, je vous dirais, vois par respect. Je moulu c'est du votre café. Dernier mot. Je moulu du café, oui. Je moulu, c'est votre dernier mot. Oui, c'est... oui. Non, mais dites-le, c'est mon dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Bah c'est, mon, c'est notre dernier mot. Voilà, Jean-Pierre. Mon cher Jean-Pierre, ou non, mon cher ami. Peut-être pas pousser ma mère dans les Antilles non plus. JPF, peut-être. Le verbe moudre, conjugué à la première personne, conjugué même. À la première personne du singulier, du passé simple, donne je moulu, bien sûr. Bien sûr, et oh. Viens là, toi. On se bat pour l'imagination. Je moulu, tu moulu, il moulu, nous moulûmes. Nous moulûmes. Vous moulûtes, et ça, on aime beaucoup. Arrêtez avec votre stylo, vous le mettez où maintenant ? J'étais un tout petit peu casse-pied avec, des... ah, ouais. Avec ton stylo. Personne n'en remarque rien. On va pas te le piquer, je te jure qu'on va pas te le piquer. On n'est pas ensemble. Question à 6 000 euros. On n'est pas ensemble. Quel lémurien à longue queue, tiens, voilà. Ça ne parle que de ça, hein, vos questions. Je le sais. Non, mais, non, mais calme-toi. Ça n'arrête pas. Calme-toi. Je vais longue même... queue, il tire. Chut, arrêtez, François. Non. C'est incroyable. Quel lémurien à longue queue vit à Madagascar. Je vais même vous donner sa caractéristique, moi, du lémurien. Alors, donnez-moi le nom avant qu'on affiche. Eh bien, je vais vous le dire. Le sushi. Non. Le sashimi. Non plus. Le surimi. Non. Le maquis. Ah, je suis dans la merde. Le maquis. Ce que je peux vous dire, c'est que ce lémurien-là n'a pas de sphincter. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il a la caractéristique de ne pas avoir de sphincter. C'est-à-dire qu'au moment où il mange, là
Et pour... C'est un peu comme moi. Pourquoi il mange alors ? Il va faire le maquis. Pourquoi il mange alors ? Ouais, ça, oui. Ça c'est comme les gens qui font des proutes et ça sent rien. Mais pourquoi il mange ? Pourquoi tu pètes ? Voilà. Ça, c'est sûr. Ça sert à rien. On peut être un petit peu plus classieux maintenant. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Avec cet individu, ça va être difficile. Moi, je dirais que c'est le maquis. Alors, vous êtes à Madagascar. Non, là, on est là. Hypothèse d'école. Devant les tables. Vous voyez un lémurien à longue queue. Vous dites, tiens, oui, c'est un sushi ? Un maquis. Un sashimi, un surimi ou un maquis ? Alors, je sais bien que ça, ce sont des noms de japonais. Oui, oui, bah, c'est surtout des noms de bouffe japonaise. De bouffe japonaise. Alors, mais le maquis, tu vois ? Oui, le maquis, c'est aussi là où se cachaient les résistances. Mais ça n'a rien à voir. Je sais. Ce serait un peu différemment. Oui, mais prononcer, c'est pareil. Phonétiquement. On ne disait pas, tiens, il est dans le lémurien. On disait, il est dans le maquis. Oui. C'est votre dernier mot ? Oui. Quoi ? Le maquis. Jean-Pierre. Non, j'aurais dit qui ? C'est le maquis. Oui. Quoi ? Dernier mot, Jean-Pierre, merde ! Le lémurien à longue queue. François Berléand. Ça suffit. Non, je plaisante. Non, oh, je plaisante. Ça suffit, on est... Non, ça suffit. Non, franchement. C'est faux. Plus. Ah bon ? Oui. Comment vous savez ça ? Non, mais... C'est le maquis, bonne réponse. Bravo Jean. Non mais c'est lui, c'est François en plus. C'est vous. Et maintenant je m'arrête. À toi. On le reconnaît à sa longue queue rayée. Oui. Et aussi au truc que je vous ai raconté tout à l'heure. Tout à fait. Et à son museau pointu. Oui. Et aussi au truc que je vous ai raconté. Qui n'a pas de sphincter. Donc il mange pour rien. Non mais c'est fou. Voilà. C'est très il étonnant. Il est gris. Non non mais c'est très étonnant. Et il a les yeux jaunes. Oui. Voici la question à 12 000 euros. Les yeux jaunes. Quand on joue au Shifumi. Vous savez, pierre, ciseaux, machin... On gagne si le point... Voilà, le papier. Point si on gagne joué. Le point si on a joué. Laissez-le faire son travail. Papier contre ciseaux. Papier contre ciseaux. Pierre contre papier. Attends, on gagne le point si on a joué... Papier contre ciseaux. Attends. Pierre contre papier, papier contre pierre. Ou oh ciseaux contre pierre. On gagne le attends, point. Attends. Papier contre ciseaux, on perd. Attends, on considère que on, c'est le premier truc. Parce que c'est mal écrit. C'est mal écrit. Si. Réponse C. Enfin, vous êtes nerveux. Alors, c'est votre dernier mot ? Oui. Non, vous êtes nerveux. C'est... Non, mais parce que tu perds du temps. C. C'est votre dernier mot ? Oui, enfin, je veux bien, mais je vois rien, moi, alors... C'est pour ça, heureusement. Heureusement que j'ai là. Et... Bah, excuse-moi, je passe pas mes journées à jouer au Shifumi non plus. Bah, moi, si. Oh, merde. Ah, moi, si. Ça suffit. Entre les prises, c'est très bien. Oui, c'est ça, ouais. Un petit Shifumi, François ? Oui. Ah, oui. Moi, j'avais dit qu'il fallait pas inviter Christophe de Chavannes. Hein, j'avais dit. Hein, vous vous souvenez de ça ? Oh, mais t'es pas au Brésil, toi, je peux te dire. Alors, toi, t'es pas au Brésil. Hein. Oui, parce que. Oui, il faut expliquer aux gens. Expliquer aux téléspectateurs qu'ils vont partir ensemble au Brésil. Pas du tout. Peut-être. Non, non. Ensemble. Il n'y va pas. Quand on joue au Shifumi, on gagne le point si on a joué papier contre pierre. Voilà. Bien sûr, le papier. Et non pas papier contre puits. Ça rentre pas. Pardon. Voici la question qui vaut 24 000 euros. En 2005, l'an dernier, quel est le premier pays d'Afrique à avoir élu une femme comme chef d'État ? C'est le Libéria. Le Botswana. C'était l'année dernière, en tout cas. Le Sénégal. Oui, enfin, juste là. L'Éthiopie. Le Libéria. Une femme très, très, très charmante. Réponse D. Le Libéria, c'est votre dernier mot. Oui. Tu es sûr de toi ? Certain. Total. Oui. Sans erreur certain, aucune. Certain. Regarde-moi. Contre Ouéa. C'est exact. Oui. Contre... C'est votre dernier mot ? Oui. Contre Ouéa, joueur de football. Contre le joueur de foot, Ouéa. Enfin, ils étaient un certain nombre à s'être représentés. En deuxième tour. Là, en deuxième tour, oui, il y avait Ouéa, bien sûr. Donc le Libéria, donc... C'est François, alors là... Bravo. Par contre, moi, dès le départ, je voulais vous inviter, vous voyez ? Ah la vache. Eh ben, vous avez qu'à partir tous les deux au Brésil. Réponse le Libéria. Excellent traitement. Mais... Vous allez simplement nous rappeler le nom de la personne J'ai un petit trou. Oui, moi aussi, j'ai un petit trou. Alors, moi, de mémoire, c'est Ellen Johnson Sirleaf. Elle est extrêmement sympathique, en tout cas. Très sympathique. Ouais, elle a battu au deuxième tour Georges Weah. Georges Weah. Question pour le second palier de 48 000 euros. Tu vois. Je précise, dans quel film Alain Delon incarne-t-il... Rocco et ses frères. Non, non, pas du tout. Rocco Siffredi. Tant, Borsalino. Tiens. Proposition de réponse, Borsalino. Tiens, bah, du boudin, acteur. La piscine. Oh non, bon non. Parole de flic. Non.
C'est pas Rocco Siffredi. C'est Rock Siffredi. Oui, mais merci Rocco Siffredi. Non, mais vous venez de dire Rocco, mais ça vous donne une bille. Borsalino, pardon. Non, 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 vous pensez aux Lémuriens. Non, non, Borsalino, réponse A, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Merci, Christophe. Je vous en prie. Jean-Pierre. Rataflunz. Rock Siffredi qui meurt à la fin. D'ailleurs, il meurt, il a à peu près autant de temps à mourir que le film. Et il meurt très bien, Alain. S'il vous plaît. Bravo. Merci. Vous êtes un grand acteur. Oui, ça va. Je suis surtout pour ça. Allez, 24 000 euros, là. Alain Delon, mais non, 48 000. 48 000 euros. Mais oui. Et Belmondo, bon, Belmondo, vous vous souvenez de son nom? Jean-Paul. Oui. Ah, je crois. François Capella. Mais oui, François Capella, je bien sais, sûr. Merci, bien sûr. D'ailleurs, on va lui dire, tiens, t'as qu'à lui dire, à qui? À Capella. Et lui dire, il chantonnait un truc. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait de dire oui? Voici la question qui vaut 72 000 euros. Ah, c'était formidable ce film. Ah, alors là, ça va être difficile pour vous. Le cerveau d'un homme adulte. Je vais t'expliquer, il y a un moment. Il y a un moment. Il y a un moment où tout d'un coup, l'amitié peut s'effacer. Oui. Se briser. Non. Se briser. Non, non, coup de boule. Ça part vite. Alors vas-y, mousse sur la réflexion un petit peu désobligeante. Parle du cerveau de François. Je ne le fais cerveau pas d'un homme adulte de 80 kilos. Nous ne faisons pas 80 kilos. Pas 80 kilos. Pèse environ. Ah bah vous, ça vous concerne en revanche largement. 500 grammes, 700 grammes. Oh, la question à la con. 1,6 kg. Non, non, non. Ou 2,6 kg. La question à la con. Maintenant, vous débrouillez, vous avez trois jokers. Oh, bah, c'est joker. Hein. Ah oui. Alors, il faut appeler un neurochirurgien que je n'ai pas dans mes jokers. On est d'accord que c'est entre les deux, là, non? La tête pèse 6 kilos. La tête pèse 6. Ah bah, alors, on coupe la poire votre en deux. Votre tête pèse 6 kilos. La vôtre pèse 8 parce qu'il y a beaucoup d'eau. Non. Mais la nôtre pèse 6. Le nez fait le... 6 kilos, je te jure, la tête, c'est oui. 6 kilos. Donc la mâchoire. On... Quand tu prends un coup de boule, tu prends 6 kilos dans la gueule, lancé. Lancé. Fais de la pub pour les valises. Donc une oreille, ça fait combien? Une oreille, ça fait... Une oreille, oui, ça fait... Grammes. C'est pas ce qu'on nous demande. Oui, non, mais si, parce que tu enlèves 6 kilos. Alors, petit à petit, on va une oreille, deux oreilles, le nez. Une dent, les dents. Une dent. Alors, une dent, ça fait bien 5 grammes. Oui. Par 32. Moi, j'aurais 32. 32 dents par 5 grammes. Ça fait 16. Ça fait 65 grammes. 60. Les cheveux. Les cheveux. Ah, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'en ai plus beaucoup. Donc moi, je les perds. Le cerveau d'un homme adulte de 80 kilos pèse environ. Un œil, ça pèse quoi, un œil? Moi, le problème, c'est que si on fait l'ordinateur. Mais machin. Faites déjà 50-50. Attends, mais non, on va se retrouver avec 500 et 700 grammes. On va avoir l'air malin. Mais parlez-moi autrement, hein, oh. C'est vrai. Autrement. Alors, moi, je ne connais personne qui pourrait répondre à 700 grammes. Moi, j'ai un copain, j'ai un joker. Qui ça? Renaud, le chanteur. Mais non, pas le chanteur, hein, on serait pas... Mais non. Mais, Renaud, le chanteur est très fort, il joue... Très fort, mais enfin pour le cerveau à 500 grammes. Non, non, c'est... Il aurait fait une chanson s'il le savait, hein. Le Renaud, le vaudou... 500 grammes. 500 grammes dans la gueule, ouais. Enfin, moi, je dis que c'est un des deux, moi. Ah oui, c'est 500, ça. Oui, c'est probablement pas 2,6 kg de cerveau. Ça, c'est sûr. À part peut-être... En tout cas, pas chez vous. Cela dit, on dit ça. Tu sais quoi? Et des fois, peut-être que c'est 2,6 kg. Qui a 6 kilos de tête? 6 kilos de tête. T'enlèves 2,6 kg, ça reste quand même 3,4 kg. 3,4 kg de rien. Des dents, des os. Non, non, c'est ça ou ça. Ah. Lequel de Renaud voulez-vous appeler? On est, excusez-moi. Je vous en prie. On va pas parler comme Ivrenier, mais on est un petit peu eu sur cette question, parce que si on fait 50-50, on va pas être plus avancé, sauf qu'on en aura deux en moins, on va quand même être obligé d'appeler. Mais personne vous a obligé de venir. La cause. Est-ce que le public connaît non, non, la non. réponse? Ah non, tu es fou, dangereux. Non. Tu es fou, jamais, dangereux. Jamais. Avec tout le respect, hein. Amitié, respect, hein. Non. Pas les connaître. Non.
Non, non, si le public était neurochirurgien, ça saurait. Ok, on va appeler Renaud. Lequel de Renaud? Ben mon Renaud, mon Renaud. Renaud. Non, mon nom Renaud, votre Renaud. Ah, parce qu'il faut appeler des gens connus. Ou alors peut-être que c'est. Peut-être que c'est. Appelons Renaud. Oui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Renaud? Peut-être que c'est un kilo 6. C'est un garçon remarquable. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille dans la production. Ah oui, la production de quoi? La production de papier toilette. Ah, c'était la question d'avance, c'était les Muriens. Arrêtez, on est sérieux là. Allô? Bah, qu'il se fasse le numéro. Oui, on n'a pas de Renaud. C'est normal. Autant pour moi. On va appeler... J'ai une idée. On va appeler... Enfin, j'ai pas une idée. J'ai un joker. On va appeler Wally. Appelons Wally. 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 W-A-L-E. W-A-L-E. Voilà. W-A-L-E. Très bonne idée. Wally. Wally. Renaud Wally. Non, il s'appelle Wally. Que fait Wally dans la vie? Wally est dans la production. Du papier toilette. Non, d'écrou. Ah. On voit qu'il répond. Wally. Allô? Oui, pourrais-je parler à Wally, s'il vous plaît? Oui, bonjour, c'est Wally. Oui, bonjour Wally, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Ah, bonjour Jean-Pierre, vous allez bien? Et vous-même? Très bien, merci. On se connaît? Non, pas du tout, pas encore. Bon, non. Je suis avec Christophe de Chavannes, que vous connaissez. Ça, bien sûr. Mange. Et François Berléand, que vous connaissez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et nous avons une très belle question. Et on déconne pas, là, parce que c'est sérieux. Hein. On se concentre et on va très, très vite. 72 000 euros pour le site d'action. Très bien. Attention, voici la question, Wally. Allez-y, Christophe. C'est moi qui la pose. Mais vite, allez. Voilà, le cerveau d'un homme adulte de 80 kilos pèse environ 500 grammes, 700 grammes, 1,6 kg, 2,6 kg. Le cerveau d'un homme adulte de 80 kilos pèse environ 500, 700, 1,6 kg, 2,6 kg. Magne-toi. S'il Alors attendez, à mon avis... 10 secondes. 1,6 kg, je pense. Le cerveau d'un homme, c'est 500 grammes, 700, 1,6 kg. Oui. Environ. Oui. Le cerveau. Oui, oui, c'est ça, 1,6 kg. Il a dit? Oui, moi aussi, je le savais. Il l'a dit. Vous avez entendu? Il a dit 1,6 kg, oui. Vous étiez là il y a 10 secondes, il l'a dit. Ah oui, ça va pas du tout, t'es très nerveux, toi. Qui êtes-vous? Oui, c'est ça. Il est très nerveux. Il a dit 1,6 kg environ. Et d'ailleurs, ah oui. Dans la question, nous disons environ. Il n'a pas dit « je suis sûr ». Je suis sûr. C'est 1,6 kg, mais ça me reprend. Allez, ok. Ça me reprend. Ouais, enfin, 1,6 kg, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est notre dernier mot. 1,6 kg. C'est 1,6 kg. Mais tout à l'heure, quand j'ai dit que la tête... Une seconde, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. 6 kg en tout. Hmm? Non, j'ai dit la tête fait 6 kg, il faut bien qu'il y ait du mou pour le chat quelque part. 6 kg. Oui, sauf que... Il avait raison, on devrait être décompté pour ce qui vous concerne. Par exemple, 50 grammes d'oreilles, 1,6 kg de pif. Vous voyez ce que je veux dire petit à petit. Oui, puis vous, on va décompter le poids des dents tout à l'heure. Oui. Alors, le cerveau d'un homme adulte de 80 kg pèse environ. Nous le serons dans quelques instants. C'est pas cool. Dans quelques instants, après une courte pause, vous serez ici, Christophe et François, avec l'aide de Wally, ont bien répondu. A tout de suite sur TF1, merci. Eh bien, nous voici de retour. Très belle page de publicité. Nous voici de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Christophe de Chavannes et François Berléand pour le site d'action numéro de téléphone 110. Vous le savez, il est affiché. Un petit rappel, pardonnez-moi pour les gens qui n'étaient pas là au début d'émission, oui. C'est que le 110, on fait des promesses et après, il faut les tenir. Il faut tenir ces promesses, c'est-à-dire envoyer l'argent qu'on a promis d'offrir. Voilà. Question qui nous préoccupe. Et qui est importante, une question qui vaut... Il y a un petit peu le doigt gourd, le gars qui s'occupe de la musique, non? 72 000 euros. C'est un chef d'orchestre, monsieur. Dis donc. Le cerf... dans les grandes émissions, c'est ça. Il a le permis de... Il a le permis. Le permis de conduire un orchestre. Un truc qui a 45 ans. Je suis où? Le cerveau d'un homme adulte de 80 kg pèse environ 500, 700 pour les grammes, 1,6 kg, 2,6 kg pour les kilos. Vous avez appelé un ami, Wally, qui... Sans l'ombre d'une hésitation, vous a dit 1,6 kg. Tout de suite, vous avez sauté sur l'occasion en disant il doit avoir raison. Christophe n'avait pas bien entendu. Oui. Ah, mais moi, je n'avais pas entendu du tout. C'est ça. Donc, c'est François qui a une oreille très fine. Très fine. Réponse. Ou vous conservez les 48 000 euros, ce qui est une belle somme, ou vous passez à 72 000. Tu plaisantes. Le cerveau. Ben oui. Comme on a dit déjà, non? On a dit, c'est réponse C. Réponse C, on a dit. Mais je sais bien, mais je ne vous ai pas dit que c'était la bonne. Ah non, mais on dit quand même réponse Donc, C. Donc, ou vous passez
Ou vous restez à 48 000 si c'est bien, ou vous passez à 72 000. C'est ça. Oui. Oui, mais on est... Non, moi j'ai confiance en Wally. Je pense que 1,6 kg, c'est pas de réponse. Ouais, ouais, ouais. 72 000. Je suis pour l'instant assez content, puisque la dernière fois que j'étais venu, c'était la somme que j'avais réussi... Nous avions réussi à atteindre. Le cerveau pèse environ 2% du poids du corps. Ouais, on est content maintenant, allez. Voici la question qui vaut 100 000 euros. C'est pas la question à 100 000 euros ? Dans le langage traditionnel des fleurs, je ne connais rien, ça ne m'intéresse pas. Le bleuet symbolise la patience, la jalousie, la tentation, la délicatesse. Dans le langage des fleurs, oui. Elle parle des fleurs. Elle ne parle pas des fleurs. On sait bien quand vous aimez une femme, vous envoyez des roses rouges. Et alors, n'est-ce pas? Ouais, enfin, amour ardent. Oui, blanche. Alors, ah non, ça c'est pas une situation. Quand on est patient, on envoie du, on envoie un bleuet à qui? Quand on est tenté, on lui envoie un bouquet de bleuets. Oui. Ou quand on est jaloux, on lui envoie un bouquet de bleuets. Quand on est délicat. On est délicat. On n'envoie pas des roses. Mais on n'envoie pas de bouquet de bleuets à personne de toute façon. Dans le langage traditionnel des fleurs, la jalousie, c'est quoi comme fleur? La patience, c'est la patience, la patience. Attends, parce que de toute façon, on va faire appel au public, on est d'accord? Oui. Oui. Moi, je suis d'accord à faire appel au public. Public à votre télécommande, s'il vous plaît, pour aider François et Christophe. Dans le langage traditionnel des fleurs. Le bleu. Vous ne répondez que si vous. Parce évidemment. Que la dernière fois, c'était pas brillant. Oui, ne répondez que si vous êtes certain de savoir, s'il vous plaît. Ne répondez pas, tiens, je vais mettre ça. Soyez cool, merci monsieur. Je vois que vous êtes comme ça, c'est bien. Le bleuet symbolise A, la patience, B, la jalousie, C, la tentation, D, la délicatesse. Votez maintenant, bonne chance, merci. Personne n'a voté. Attends. Ah bon? Et c'est moi qui suis nerveux. Personne ne sait. Arrêtez de plaisanter. C'est maintenant. La délicatesse. Ouais. 64%. Tout à l'heure, sur Mozart, il s'est passé quoi avec le public? Ouais. Vous avez raison. Oui, mais le public avait été influencé. C'est vrai. Alors que là, on a dit que la patience, toi. Ils sont quand même à 64% sur le bleu. Hein. Oui. Mais non, pas sur le bleu. Mais sur la délicatesse. Sur le bleu. Est-ce que je peux voir si ce sont les femmes qui ont répondu? Non, bien sûr. Une pièce d'identité aussi, et puis quoi? Oui, pièce d'identité. Je remarque qu'après la pause de pub, vous êtes différent d'avant. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, si vous m'avez dit, il faut acheter tous les produits. Moi, ça m'énervait. Je sais pas quoi vous dire, moi. Moi, je fais confiance au public, ouais, naturellement. Moi, je fais confiance au public parce que c'est quand même 72 000. Et puis, c'est surtout qu'ils ont répondu à 64% et des brouettes. Oui. La délicatesse, le bleuet. Je vois même pas la tronche que ça a, le bleuet. C'est moi. Bleu. C'est bleu. C'est bleuet. C'est moche. Non. Non, c'est joli. C'est délicat. Plein petit péto comme c'est ça. C'est délicat. Plein petit péto. Pétale. Pluriel. Mais non. Ah ben non. Allez, attention, si c'est pas ça, vous retombez à 48 000. Hein, le public a raison. Ah ben je sais pas. Mais qu'a raison, on verrait bien. On dit que c'est notre dernier mot. De toute façon, c'est pareil. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Putain. Oh là. Non, parce que. Parce que quoi? Parce que j'aimerais bien qu'on aille plus loin, parce que c'est une fois par an le site d'action, donc il faudrait qu'on se bouge un petit peu. On a qu'à le faire deux fois par an, Jean-Pierre? Oui. Non, moi c'est Christophe. Ah, pardon. Bonne idée. La délicatesse, bravo! Bravo, public! 100 000 euros! 100 000 euros! Public, embrasse-le, t'as le public. Bisous. Pour ne rien vous cacher, c'est la délicatesse et la pureté des sentiments. D'accord. Oui. Et quand on a une envie énorme, c'est... C'est quoi comme fleur? Le glaïeul. Le maquis. Ah, faut aller en Corse, alors. Le bleuet, c'est aussi la fleur des timides. Oh. Vous savez, le bleuet. Bah, je vous le dis. Il vous reste 3 questions et 1 joker pour arriver au million. Arrêtez, vous nous mettez la pression. Ce serait possible d'avoir 2 autres jokers, peut-être. Pour, bien sûr, bien sûr. Si arrive au million. De toute façon, on n'a pas encore téléphoné à un ami. Hein. Moi, il n'était pas un ami. Personnellement. Ah, moi, je ne le connais pas. En plus. C'est vrai. Voici la question qui vaut 150 000 euros. Quel lac n'y a-t-il pas sur la Lune? Attends, vous n'avez que des questions faciles. Arrêtez maintenant, Jean-Pierre. Ah, mais écoutez, laissez-moi faire mon métier. Mais ne faites pas de commentaires. Le lac de la perfection. Ça, c'est pas les bleuets. Le lac de l'effroi. Vas-y, il faut appeler un luniste. Le lac de la tendresse. Le lac de l'amertume.
un des trois n'est pas, un des quatre n'est pas sur la Lune, lequel? Il y en a trois sur la Lune, un qui n'y est pas. Ah, ah bah ça, on avait compris. C'était... Ah non, pas moi, pas tous, pas tout le monde, visiblement. Oui, tu n'avais pas compris, toi. Si, moi j'avais compris. J'avais compris. Et je ne vois même pas un. Oui. À part peut-être celui de la tendresse dont j'ai entendu parler, mais je ne sais pas s'il y est ou s'il n'y est pas. Écoute, de toute façon, il nous reste un joker. Le 50-50, oui. On va le prendre déjà, hein. Parce que moi, j'irais, moi, ça sent l'abandon. J'irais l'amertume. Attendez, attendez, excusez-moi. Nous avons 100 000 euros. Non. Prenez le joker d'abord. Nous jouons bien pour 100 000 euros, je peux. Vous avez 100 000 euros. Donc quoi qu'il arrive, même si on perd... Ah non, si on perd, on... Non, non, vous déciderez de répondre ou pas, mais prenez d'abord le joker. Oui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, vas-y, ordinateur. Là, comme vous faites d'habitude, quoi. Ordinateur. Comme si les gens étaient assez couillons pour penser que l'ordinateur, il vous écoute. Mais oui. Vous prenez de temps en temps nous les gens un petit peu pour des menaces. Nous sommes les seuls à avoir un ordinateur qui nous écoute. Tenez, vous allez voir. Ordinateur, n'enlevez pas les deux réponses. Eh ben voilà. Et maintenant, enlevez-les, s'il vous plaît. Ce mec a bu. Eh ben voilà. Ah. Donc, j'avais bien raison que... Donc, s'il vous plaît, donc j'ai bien raison. Celui qui était là n'était pas sur la Lune. Ouais. Mais non, c'est celui-là qui est pas sur la Lune. Oui, j'ai compris. C'est des deux. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Moi, j'ai dit l'amertume. Moi aussi, je dirais bien l'amertume. Parce que le lac de l'effroi... Oui. Quand Armstrong est arrivé sur la Lune... Ouais. Et là, tu dis, qu'est-ce que t'as dit? Moi, je suis effrayé. Alors, il fait froid. 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 Donc, la règle de l'effroi, moi, je pense qu'il est... Attention, hein. L'amertume. Attention, vous avez 100 000 euros. N'allez pas perdre 52 000 euros, hein. On est mort. N'allez pas perdre 52 000. On est mort. Vous nous dites ça, c'est qu'on est mort. Mais je dis rien du tout, je vous préviens. Bah, vous nous dites ça, c'est que... Je vous préviens que si vous vous trompez, vous perdez 52 000. Y a pas un luniste? Non. Moi, je suis assez pour le lac de l'amertume. Moi. Enfin, t'es assez surtout pour redescendre à 72 000 euros si on paume. Ah non, non, c'est non, à 48 000. En plus ? Oh, bah, on est obligé d'abandonner, messieurs Berléand. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oh, bah, deux secondes, et oh, les autres, ils ont eu 49 minutes 12. Oui. Attends. Pour une question. Franchement, là. Alors. Ouais, c'est vrai. Prenez votre temps. Je bois un thé, je vous laisse. Armstrong, c'est, il a dit... Le drame, c'est que c'est une chance sur deux de progresser et de monter, et on joue pour le site d'action, donc on ne peut pas se permettre de jouer avec du bonheur. Moi, je serais pour le 50-50, maintenant. Hein? Parce que... Comme ça, on est sûr de... Allons-y. Allez, fais ton truc de l'ordinateur, là. L'ordinateur. Allez, vas-y, maintenant, fais le fierro. Oh, on est mort. Le lac de l'amertume, oh, sans déconner, ça me dit quelque chose. Le lac de l'amertume, ça existe sur la Lune. Les types, ils ont dit, regardez. Oui, ça existe, oui. Et ben donc c'est le lac de l'effroi qui n'existe pas. Ah bah oui, puisque l'amertume, je connaissais. Lac de l'effroi. On est tous les deux pour dire que le lac de l'effroi n'existe pas. Faites ce que vous voulez. Alors votons, votons B. Lac B. Le lac B. Réponse B. Réponse B. C'est votre dernier mot? Oui. Parce que moi, le lac de l'amertume, j'en ai déjà entendu parler 20 fois. Mais... Pas 20 fois, peut-être pas, mais 5 ou 10. Oh putain. Si c'est ça, vous passez à 150 000. Si c'est grave. Si c'est 5, font 11. Et si c'est pas ça, vous retombez à 48 000, c'est-à-dire que vous perdez 52 000 euros. Oui, mais moi, j'ai entendu parler plein de fois du lac de l'amertume. Vous faites ce que vous voulez. La question est la suivante. Quel lac... On a dit. Quel lac n'y a-t-il pas sur la Lune? Vous m'avez dit, il n'y a pas le lac de l'effroi. Oui, c'est parce que le lait, c'est le lait chaud. C'est pas drôle, François. Quel lac n'y a-t-il pas sur la Lune? Réponse. Le lac de l'amertume. Salaud. T'as pu dire, vous précipitez pas, J'ai pas arrêté de vous dire, soyez prudent. Non, attention. Non, pas une fois, rien, remplacez la bande, vous n'avez rien. Vous n'avez pas écouté. Pas un mot. Il faut être vous prudent. Vous pouvez partir, vous l'avez pas dit, rien, si, rien. Si. Vous avez des... Les deux, vous l'avez aidé à fond, les deux et nous, alors on peut crever la gueule ouverte. Oh, je suis déçu, grave. Allez, applaudissements pour Christophe et François Berléand. Merci beaucoup. Malgré tout, déjà 120 000 euros pour le site d'action. Et on n'a aucun reproche évidemment à faire à Christophe et à François. Bravo pour ces 48 000 euros de gagnés.